Munoz, le numéro 6, se relançant maintenant avec le numéro 5, One for the Gather, qui est en deuxième position. Et le numéro 3, The Without a Fight, qui est en troisième position. Munoz, le numéro 6, qui va repousser tous les atouts jusqu'au poteau, s'imposant Munoz devant le numéro 5, One for the Gather. Fang qui se relance encore avec Light Wake Up qui est deuxième, avec Ozan qui vient en dehors, Dartunji qui est en cinquième position, Bran également numéro 1 qui tente de venir chercher le premier qui est Fang, et Fang qui repart maintenant devant Bran avec à l'extérieur le numéro 2 Ludo qui refait du terrain, Fang le numéro 3 qui a l'avantage devant Bran, et Fang qui va triompher, Bran sera deuxième. The Goodman qui est lancé alors que Vettor essaie maintenant de progresser à la corde. Attendante qui a encore l'avantage avec The Tickler qui vient deuxième, Risk Taker et surtout The Goodman qui a été lancé complètement à l'extérieur par son partenaire. The Goodman qui a pris l'avantage, Mikus maintenant a trouvé sa cadence et vient de plus en plus fort à son intérieur. The Goodman triomphe. Numéro 7, image du Croate, passe maintenant à l'offensive. Image du Croate qui accélère, se défend bien côté corde. Numéro 3, Saab qui tente d'ailleurs de repartir. Saab, image du Croate pour la victoire. Saab côté corde, image du Croate à l'extérieur. Image du Croate, Saab sans doute dans cet ordre. Lavantin qui est troisième. Lady Princess sitting in that pair's slipstream. They come down to the final furlong. Ebrod on the far side, Derriard in the centre. Lady Princess on the near side is asked to stretch and quickens away in the hands of Oisin Murphy. Lady Princess in front racing up towards the line, and Lady Princess will win the Qatar International Stakes for Thomas Forsey and Oisin Murphy. Sibylline, Nillywood, Pontadour, Muse Arédienne qui lutte en compagnie encore de Edil Labouiri. Iskad Labruni refait du terrain à l'extérieur devant la Bernardi, incroyable Bedoc et encore Borjadei. Sont maintenant à 100 mètres de l'arrivée. Nillywood, Pontadour qui a très nettement l'avantage et qui va imposer sa loi. La deuxième place sera pour Muse Arédienne. Altesse du Berlay qui se présente seule en tête pour sauter la dernière. Altesse du Berlay qui a le meilleur et qui tente maintenant de le conserver sur le plat. Altesse du Berlay avec West End Girl, le numéro 4, qui refait néanmoins du terrain maintenant sur elle. Altesse du Berlay qui raccourcit ses foulées. West End Girl va-t-elle en profiter pour venir la dominer? Altesse du Berlay, West End Girl, magnifique lutte à l'arrivée de ce Pripe-là. Aux abords du poteau, West End Girl tout à la fin. Le favori Martin Spirit a longtemps attendu et maintenant bien il a perdu des longueurs sur les premiers, sur la dernière. Des Cassunder qui la saute en tête, mais derrière il y a les grilles de l'écurie de François Nicole qui accélère à l'image de Six One, à l'image également de Martin Spirit, mais Becca Sunder a toujours le meilleur. Becca Sunder, le numéro 8, qui pour l'instant domine la situation devant Six One, qui le fait galoper jusqu'au bout. Becca Sunder, le numéro 8, qui va s'imposer dans ce quintet aujourd'hui. Direction la dernière pour les deux favoris de l'épreuve à l'extérieur, Tourmalet, Chaptal le favori, le numéro 9 qui accélère lui mais isolé à l'intérieur dans la même foulée ou presque. Tourmalet et Chaptal qui vont maintenant s'expliquer sur le plat mais à distance l'un de l'autre. Ils se détachent en tout cas très nettement des autres. Tourmalet qui a toujours le meilleur, Chaptal en deuxième position et Nathalie Le Souter n'aura pas eu besoin de la cravache pour s'imposer avec le 7 Tourmalet qui s'impose ici pour sa deuxième tentative en steeple. Dernière rue et honneur à Estivo, aux Avil ensemble, Alexandre Momel, la voilà qui vont lutter également sur le plat. Honneur à Estivo qui repart de plus belle maintenant. Et la voilà qui attaque aux Avil. Alexandre Momel qui vient côté corde, mais rien à faire face à l'anglo arabe de cette course. Il est grand pour sa rentrée, il va s'imposer pour la première fois à Auteuil. Un anglo arabe face aux AQPS. Honneur à Estivo pour Paul Couder, Daniel Amélé, Nathalie de Souter s'impose.